Hello à tous, hello à toutes, hello à tous. Je sais pas si vous m'entendez, si vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez? Hello tout le monde, merci Canlust pour ce lancement digne de Michel Drucker. On est ensemble pour faire la deuxième partie de BioShock, celle qu'on a commencé la semaine en tenue d'été, eh oui. J'espère que ça vous plaît, j'ai fait des efforts. J'ai fait des efforts sur les fringues et sur la déco, parce que sans faire de pub du tout. Hop. Pas de doudoune, Pascal Brutel, j'ai eu trop chaud la semaine dernière. Merci. Et non, Belgium Soldier, on peut pas faire de battle, j'ai 30 ans d'avance en chimise sur le bon Jules, même s'il essaye très très fort, il pourra pas me rattraper. Donc on va... On va passer. Pourquoi est-ce que Motorion il appelle Paulinette? Parce que Paulinette est dans le. Paulinette est dans le chat. Ok, bon. Donc là, il me faut un peu d'Ev. Et on peut charger la partie qu'on avait laissée la semaine dernière. Je prends mon mini clavier. Un mini clavier avec plusieurs touches dessus. Hop. Et on va charger la partie qu'on avait sauvegardée. 13h58, ça me semble bon, Jules, ça, 13h58. Ça devait être ça. Vas-y, mets-moi en petit. Salut, Héloïse. Il me faut un peu Dave, ouais. Comme il disait dans une pub pour le fromage hollandais, j'aime les dames. Et les dames... Alors, fallait être là, c'était une blague fromagère et néerlandaise. Double combo. Trésor de Neptune. Donc, pour ceux qui ont loupé l'épisode précédent, notre nouvel ami, Atlas, nous guide au travers de Rapture pour... Oscar Tilla, je viens de trahir ton âge, là. Atlas nous guide au travers de Rapture pour trouver ce fichu Ryan et qu'on lui taille les oreilles en pointe. Mais effectivement, rien ne va comme prévu. Et je sais absolument plus où on est. Ah oui. Effectivement, d'accord, ok. Je me rappelle. Ça, c'était pas du tout 451 comme code aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Vous vous rappelez un peu de ce qu'on était parti faire ou pas? C'est que ce truc là on peut pas le débrancher. Je suis équipé en quoi comme arme? Peut-être un petit peu Ah bah j'ai plus de balles pour mon fusil à pompe. Bon. Ah bah si j'en ai. Ok. Mais on va quand même se. C'est dangereux parce qu'il y a de la flotte partout. Et on risque de s'auto-électrocuter. Est-ce que j'ai d'autres des éclats cryogéniques? On garde ça. Alors, Esquimon. Le jeu, tu le vois mal? Parce que moi, là, je le vois très très bien. Bon, ça, c'était un petit peu overkill. Et bon, pour vous montrer que la combo glaçage cerise sur le gâteau, c'est pas mal. Peut-être changer du coup. Ouais, ça c'est plutôt bien. Donc je sais absolument plus où on allait. Il y a un truc à récupérer là-haut qui brille apparemment. Non, c'est de là qu'on vient, non? Je vois pas de quoi tu parles, Esquimon. Parce que même sur mon écran de retour, j'ai la même image que le jeu, en fait. Bon. Oui, merci Wisebot de nous rappeler qu'avec un compte Amazon Prime, on peut donner à Canard PC directement les sous de Jeff Bezos. Et ça, c'est chic. Donc là, on vient d'y aller. Il n'y a pas de sortie, on est d'accord. Hein. Donc si on veut... Ah oui, je vois. C'est quand on passe dans l'eau, en fait, Esquimon.
Et là, on peut pas y aller, là. Et il me dit de retourner là-haut. Bon. On va retourner là-haut. Qu'est-ce qu'il y avait là-dessous? Il y avait un truc à récupérer là-dessous. Couch. Ça valait le coup. Donc, on va suivre la flèche magique. Il y a encore un autre truc qui clignotait, bon, c'est pas grave. Là, il me semblait qu'il y avait des machines automatiques qui me tiraient dessus. On va s'équiper en électrique au cas où. Vous entendez le jeu, les FX, les voix, la musique, je l'ai baissé un petit peu pour que ce soit trousse de soins. On est presque au max. Je crois qu'on a 8 slots pour les trousses de soins pour l'instant. Et là, dans les FPS, généralement, quand ils vous donnent plein de trucs comme ça, c'est qu'il va se passer quelque chose. Besoin d'entrer dans les pêcheries. Pour moi, c'est une sottise. Mais si vous allez dans le bureau du capitaine et que vous trouvez un appareil photo de recherche pour Peach, je pourrais m'arranger pour vous faire entrer. Qu'on trouve l'appareil photo. C'était quoi? Mon ami, vous êtes fichu. Quoi? Il nous envoie des méchants. Pourquoi est-ce qu'il vous est fichu? On ne peut plus rentrer. Donc c'est forcément que ça se passe par là maintenant. Et il va nous arriver des bricoles. Ça. Là c'est fermé. Poste de soins, on s'en fout, on n'a pas besoin. Aïe aïe aïe, j'ai été sonné. Non, je combats depuis, je crois. Je suis en cours de réanimation, donc je suis mort. Donc, avec ceux qui courent au plafond là, le pistolet, c'est pas suffisant. Ah mais c'est mon drone qui lui tire dessus. Bon bah ok. Celui-là est trop coriace pour vous. Regardez sur le tapis roulant. Il y a de quoi vous retrinquer. Maintenant, allez chercher l'appareil et prenez des photos de ces sales festioles accrochées au plafond. Moi je veux bien. Après, vous pourrez entrer dans les pêcheries. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. Si je sens l'odeur de fontaine sur vous, vous finirez dans une boîte. Atlas répond de vous. Cependant, c'est pas parce qu'il me fait son numéro que je vais me laisser endormir. Donc tout le monde se rappelle de qui est Fontaine ou pas? Un adulte terrifié comme un môme par des fantômes. Fontaine est mort, tout le monde le sait ça. Des mois qu'il pourrait s'y pieds sous terre. Mais il sursaut encore, croyant voir son ombre. Même Ryan, vous imaginez? Bon, ça n'a pas d'importance. On a du vin sur la planche. Ouais bah merci Atlas hein. Je vous connais, si j'ai besoin de rien, je sais qui appeler. Ça se voit que c'est pas lui qui est au fond de la mine. Les chips. Donc là, on est monté, c'est là où on a laissé le slicer tout à l'heure.
il me semble, non? Rien. Oui, oui, oui. Bah merde. Hein. Elle ne fera plus de mal à personne. Je crois que je peux les geler et les hacker après. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, bah là, dis donc, faut peut-être un peu faire le plein, là. Et d'énergie, voilà. J'avais l'impression que j'étais un peu plus invulnérable avant. Et où la mitrailleuse? Merde, en bas. Donc où est-ce qu'on peut se mettre pour... C'est quoi ça qui clignote? Hein? Ok. On a pris... Utilisation des trousses de soins restaure légèrement plus de santé. J'ai eu les deux là. Ah, une balle, deux ennemis. Je crois que je suis désapassé par là la dernière fois et ça nous avait fait très mal. Il y a moyen là de la désactiver. Merde. Alors, quand on les casse comme ça, hein, on peut plus les looter. Pas très malin, ça. Oh, Hélène Ripley, comment vas-tu? T'as raison, Fran Franck. On va se la jouer old fashion. Avec la clé molette. Mais alors, on a presque plus de dev. Ça, ça craint un peu du boudin. Faudrait qu'on en trouve quelque part. Je vous pourchasse pas, je vous... J'en ai pris. Ça, c'est incinération. Ouais. On n'a plus le... On n'a plus l'habilité là pour prendre les trucs et les jeter sur les gens. Parce que je voyais des bonbonnes de gaz, ça c'est vachement drôle. De toute façon, on n'en est pas dans le bon sens. Je suis mort à nouveau. Hélène Ripley, t'es ravi de me voir mal jouer, c'est ça? Bon, on va se reprendre, les amis, parce que là, c'est pas vraiment très pro gaming. Je sais pas si vous m'avez répondu, mais est-ce que vous entendez un peu le jeu quand même? L'approche d'une petite sœur est un acte criminel. Ne vous approchez pas des petites sœurs. Est-ce qu'on peut aller dans le métro? C'est fermé là. On peut y aller. Je sais que c'est pas par là qu'il faut aller, mais je suis curieux. Il y a une petite aération pour les petites sœurs. De revenir en arrière, c'est normal parce que c'est pas le bon chemin. On peut regarder par la fenêtre. Il n'y a que des algues. Ah non, il y a des cadavres. Sympa.
Ah, il y a plusieurs cadavres. Ah, il y a que des... Il y a plein de cadavres. Ok, d'accord. 91 jours depuis notre dernier incident. Deuxième accident cette année, 4 accidents l'année dernière. Je sais plus comment on saute. C'est Y. Le fameux bouton Y sur les claviers. Alors je meurs moins à Bioshock qu'à Among Us. Oula. Il faut faire un peu attention au-dessus de sa tête aussi. C'est pas top top. Et en plus on a plein de dollars, il faudrait qu'on s'arrête... Ça m'intéresse. Il faudrait qu'on s'arrête à la station service. Qu'est-ce que c'est que ça? Une caisse où il n'y a rien. Allons-y. On est à plus de la moitié. Je pense que si on n'est pas à la moitié, on va s'en rapprocher. Ouais. Poste de soins. Non, on s'en fout. Ce qu'il nous faut, c'est des seringues de dev. Des mines, c'est génial ça. Bon, comme tout à l'heure, hein, quand on tombe sur une salle comme ça où ils nous donnent plein de trucs, c'est que on va en prendre plein. Ah non, c'est pas ça du tout que je voulais faire, c'était ça. Vaut mieux. Oh merde. Ah, attends, est-ce que le niveau il est... clean pas. Il y a rien de plus chiant. Ah bah voilà. Rien de plus chiant quand on met un Big Daddy d'avoir d'autres ennemis. Ah bah merde, le Big Daddy est déjà en mode je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah, cryogénique, ça c'est pas mal. Aïe. Oh. Merde. Alors, vous allez me dire, Denis, tu as un grenade. Effectivement. Et il est pas mort encore. Merde. Ah bah voilà. Bah c'est moi qui est mort maintenant. C'est vachement malin. Alors notez que là, 3 grenades. Celui-là, il est un peu costaud quand même, non? Ou c'est moi? Vous allez me dire non, en fait, Denis, c'est toi. Dis donc, ça fait pas un peu 3 fois qu'on le refait, ce tableau-là? Surtout que là, le gameplay, je passe sur le tronc. Non, on va pas se cacher. Pourquoi il nous fait passer par là maintenant? Vous avez vu comme je lis pas du tout le chat.
Ça va être un peu frustrant pour vous. Vous avez des trucs à dire ou des questions? Ça, moi, je m'arrête deux secondes. Ouais, Yogg, tu peux pas changer la difficulté, en fait, en cours de partie. Soigne-toi. Non, là, c'est bon, là. Non, en revanche, j'ai plus d'Eve. Et alors ça, salut, Glouton. Sans Eve, ça va être un peu plus compliqué. Mais quoique, pour la mitraillette... Est-ce que j'ai des trucs... J'ai pas de munitions spéciales. Ah, là j'ai des munitions spéciales. Chevrotine explosive. Ah, merde! J'avais plus de chevrotine! Ah ouais, en plus, quand je reviens, je suis juste regen, mais en fait, qu'est-ce qu'on va bien trouver? Chevrotine une pause, j'en ai plus. Chevrotine normale, j'en ai 12. Là. Grenade, frag. Des mines de proximité. On teste ça. Bon, normalement le Big Daddy. Ah mais il était là, dis donc. On l'avait. Ah bon, on l'avait tué quand même. $46, c'est pas bien payé quand même. Alors, on récolte ou on sauve? Je vous ai reconnu. Salut Wolfgang. Ok. Donc Fran, c'est toi qui as parlé. C'est toi qui as parlé en proms. Alors on sauve. Non, non, non. Non, non, non. Elle fait un peu peur quand même. Oui, c'est vrai. Hélène Ripley regarde. Donc on va sauver la petite fille. La petite sœur. Merci. Merci. Merci, monsieur. Allez, sauve-toi. Allez, saute. Allez, accroche-toi. Je veux aller au dodo. Va au dodo. Oh oui, c'est la saucisse. Allez! T'as besoin d'aide? Ah, c'est bon. Ah oui, bon, ça on peut. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça on peut pas le ramasser. Alors. On a toujours pas d'Eve. C'est un peu foutoir. Hein. Non, tu peux pas la tuer avec des balles. Je crois que tu peux la tuer juste. Quand t'as le choix entre Harvest ou Save. Ok, ça c'est le truc qui t'explique d'où vient l'Ève. L'Ève vient. L'Ève vient d'escargot des mers. Ou d'escargot de limaces, je m'en rappelle plus bien. Dans les grandes pièces comme ça, il y a toujours des trucs à looter à droite à gauche. Hein, bon, des chips. Pas terrible notre histoire. Mais qui c'est qui me tirait dessus? Oh rien. Merde. Mais non, je voulais l'électrifier. J'ai changé de plasmide en cours de temps. Alors du coup je vais prendre tout de suite. Vous en avez pas marre de cette partie du level? Parce que moi, si. Donc on va essayer d'aller un peu plus rapidement ce coup-là. Allez, on y va. C'est parti.
Là, il nous a pas vu. Il nous a pas vu. Là, il nous voit. Et alors, pirate. Acheter 12 dollars, grave. Faut pas s'emmerder. Je suis pas un pro gamer non plus. Ah bah en même temps, elle est toute cramée, elle va pas nous servir à grand chose, ça. Ça, je connais. Bon, il y a personne. Il y a un truc rouge qui clignote. Ah, ça doit être un radio cassette. Ah oui. Alors, acheter des articles. Ouais, parce qu'on a plein d'argent. Bienvenue à la farandole des prix. Trousse de soins, je me rappelle plus. On est bon ou pas? Télépathie sur les roquettes. Ben ouais, mais je me suis pas équipé du plasmide. Du bon plasmide. Donc il faut que j'atteigne, faut que j'attende d'être dans un jardin de plasmide ou je sais pas quoi là pour pouvoir les changer. Parce que j'ai pas assez de slots. Tiens. Grenade dev 2 sur 9. Alors on va en prendre 3-4. Mitraillette, on en a 42. On va en prendre un petit peu. Des grenades. Ça coûte cher, ça, dis donc. Je sais pas si ce sont des robots ou s'il y a des gros costauds lobotomisés. Je crois... Non, c'est des humains. Enfin, c'est des ex-humains qui sont à l'intérieur. Trousse de soins 3 sur 9. Ok. Allez, on a dépensé tout notre argent. Ça aussi, on peut les pirater, je crois, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Wharfmaster. Donc là, on va dans le panneau de sécurité. Bot shutdown. Et on peut pas... On peut pas l'utiliser. Papy Poule. Tu as... T'as gagné un autocollant. Tu m'envoies un pour la meilleure blague. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde! Il y avait une caméra. Elle est où la caméra? Ah, cross. C'est super chiant à dégommer celui-là. Elle est où la caméra? Jamais vu cet écran. Ah d'accord, ok. On est mort, je crois que le jeu a planté. Le jeu a planté, les amis. Oula. Eh bien, nous allons... Ouais, j'ai fait planter le jeu, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en direct, j'ai plus de souris, c'est génial. J'ai plus de souris. J'ai toujours pas de souris. Bien, ça nous est tous arrivé. Et là, c'est notre tour à nous. Donc, vous voyez pas, mais en fait, j'ai un micro devant le... C'est vraiment très chiant, ça, de plus avoir de souris. Ah, j'ai même plus de clavier. Ah si, c'est... Bonjour BioShock. Au revoir BioShock. C'est bon.
Et voilà. Default setting. Non. Mais où est le chat? Ça y est, c'est relancé. On va prendre la dernière sauvegarde. Je crois que c'était la dernière Vita Chamber. Et on va pouvoir repartir. Je dois vous cacher que j'ai un peu peur. Alors, Oscar Tillage, tu fais pas si bien dire, mais c'était l'origine de mon surnom. Parce que quand la chanson de... Quand la chanson de Blondie est sortie, je faisais mes... J'étais à l'école, j'étais au lycée en Amérique. Et comme dans la chanson, il prononce Denis à la française, et que moi, je prononçais mon prénom à la française, c'est devenu mon surnom. Et donc, Blondie le dit deux fois, Denis, voilà. Donc c'est mon prénom, c'est mon surnom depuis ce moment-là. Personne m'a dit que je ressemblais au joueur du grenier et ça me rassure. On est bon ? Attends, on voit carrément le micro dans le champ. Ah bah voilà, on va pouvoir y aller. Continuer. Normalement, on va être dans la bonne Vita Chamber. J'espère. Hein. J'espère qu'on va pas se retaper la première demi-heure. Thomas Magnum. Ça, c'est flatteur. Oshiria. J'ai entendu dire qu'il y avait un remake de Magnum en série qui était... Ah bah si, on recommence au début. Eh bah, c'est pas grave. Un remake de Magnum, et il paraît que c'est abyssal de conneries. Bah dis donc là. Ah bah on fait moins le malin. Bon, je repars de là, mais bon, on va essayer de le... Il y avait du cas à récupérer. On va essayer de rusher un petit peu. Hop. Le plasmide. Non, on garde l'électrique. Bienvenue à la farandole des prix. Bienvenue à la farandole des prix. On a besoin de quoi là? Je prendrais bien un peu de chevrotine. Le remake de MacGyver, ça je veux même pas en entendre parler. La passion des FPS à checkpoint, mais c'était c'est un FPS de 2007. Et dis donc toi, le level designer, on en parle ou pas? Ah oui, donc là tac tac tac. Il a dit que vous aviez besoin d'entrer dans les pêcheries. Pour moi, c'est une sottise. Mais si vous allez dans le bureau du capitaine et que vous trouvez un appareil photo de recherche pour Peach, je pourrais m'arranger pour vous faire entrer. C'était quoi? Mon ami, vous êtes fichu. Et là, il me donne pas le... Il me donne pas le gros machin là. Faut d'abord qu'on attende l'ennemi. Comment ça se passe? Je m'en rappelle plus. Ma jeunesse, ma... Ah ben celle-là, on n'est pas censé la tuer. Enfin, c'est pour ça. C'est vrai qu'elle est complètement... Faut que je fasse gaffe à pas électrifier mon... Elle est partie où? Elle est partie où? Okay.
Donc celle-là, je crois qu'on n'est pas censé la tuer. C'est pour ça que je veux. Je viens de dépenser beaucoup trop de munitions là-dessus. Pas grave. Maintenant, allez chercher l'appareil et prenez des photos de ces sales bestioles accrochées. Bah ouais, mais j'ai pas d'appareil photo pour l'instant, gars. Je peux pas les prendre en photo. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. Si je sens l'odeur de fontaine sur vous, vous finirez dans une boîte. Atlas répond de vous. Je t'entends. C'est pas parce qu'il me fait son numéro que je vais me laisser endormir. Donc la Big Daddy. Je sais où trouver un appareil photo de recherche. La date indique comme il faut. Salut. Il attendra que vous ayez trouvé ce qu'il veut avant de vous planter une lame dans le ventre. Un adulte terrifié comme un môme par des fantômes. Fontaine est mort, tout le monde le sait ça. Et moi, vous étiez tout à l'heure. Mais sur son corps, croyant voir son ombre. Même Ryan, imaginez. Bon, ça n'a pas l'air. On a du pain sur la forme. Ah, il y en a un derrière moi. Ah, j'ai pas vu celui qui m'a tué. J'en ai tué 3. La Vita Chamber, de temps en temps, ça fout un peu la gerbouille. Et là, vous dites, disons, Denis, ça fait pas une demi-heure qu'on est sur ce tableau-là. Mais vous avez raison. Ça fait exactement une demi-heure. Merde. Chier. Même quand ils sont morts, ceux-là... Même quand ils sont morts, ils font chier. Ouais, ça aura du temps pour looter. De l'argent, on s'en fout. Lui, il a rien. Lui, il a de l'argent. Non. Les caisses de grenades, elles sont toujours vides. Ça, on prend. On se remet à niveau. Normalement, on a un Big Daddy, c'est ça? Donc, Big Daddy, c'est quoi la stratégie? On le cryogénise et derrière, on lui met un coup de pompe chevrotine explosive. Ouais? Contre le Big Daddy. Bah dis donc, c'était un peu le loot là. Ah non, c'est pas là. Si, c'est là. Mais non, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, faut se méfier s'il y a d'autres ennemis quand tu tapes un Big Daddy. Parce que ils viennent te faire shoot. On a plus de munitions. On va prendre la bonne vieille Thompson. J'ai encore un petit peu de balles. On va essayer de nettoyer ce bazar là, parce que on a ras le cul, on aimerait bien passer le... Il est mort le Big Daddy ou pas? Parce que je l'ai laissé, il est en mauvais état quand même. Il est pas mort. Il est encore là. Merde! Je me suis trop approché. Merci Oscar. Le soutien est total.
Bon, vous allez pas me dire que j'ai pas tout essayé là avec ce Big Daddy là. J'ai encore de l'argent ou pas? J'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent, j'ai plus de munitions. Là, ça sent la fin là. Voilà, c'est fait. Gardien, j'ai quoi? J'ai des grenades. Il est pas mort encore. Dur celui-là. Hein. Ah ben je suis encore mort. T'as des munitions électriques? Eh non, j'ai pas encore assez de slots pour l'équipement. Et là, je crois que il est sur le point de mourir, mais moi j'ai quasiment plus de munitions. Donc. Et là, je revois, je sais plus qui dit à la machine à café. Ils disent, Denis, t'exagères, tu t'es mis en facile. Ouais. Alors, je me suis mis en facile. Et ben, les gars, c'est quand même pas facile. Ah bah, quand même. Bon, là, en revanche, j'ai plus de munitions du tout. J'espère qu'il va me... Ah non, mais lui, il me donne pas du tout de munitions non plus. Bien. Alors, on la récolte ou on la sauve? On va la récolter. Il y a quelque chose qui m'a tiré dessus, hein, je crois. Donc là, on récolte. On a le droit d'en récolter une, si on veut quand même avoir le... Voilà, donc ça, c'est l'espèce de limace de mer. Fatigue ça. Du coup, je peux pas aller looter là-bas. Y'a plus rien à looter là-bas. Non. Un petit coup d'électricité. Là, faut pas que je me plante parce que j'ai plus beaucoup d'ev. Oh merde. Allez, la mêlée, y'a que ça devrait. Mais dis donc, on n'est pas déjà passé par là. Alors on va faire un truc Sioux. C'est qu'on va sauvegarder. Exactement. Les chips, c'est la vie. Donc là, il va falloir qu'on fasse attention au... J'ai plus d'aide en plus. Ah putain. Donc il faudrait que je hack la caméra. Ou alors que... Ah oui, elle est là. Je peux pas la hacker, elle est trop haute. La disable. Il y en a une autre là-bas. Merde. Il y en a une ici. Ah. Acheter 15$. Grave. Donc l'autre en revanche s'est remise en route. J'ai pas de l'autre côté, j'ai mon pistolet. Ouais. Donc là je peux passer. Faire attention avec l'électricité parce qu'il y a de l'eau. L'appareil photo de recherche ressemble à ceux que vous avez à la surface. D'après un article dans un magazine que j'avais emprunté, il peut aussi enregistrer des informations génétiques.
Merde. Il y a une mitrailleuse botte là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis pas passé dans une caméra là. Oh merde. Toi tu vas venir là. Hop. Non, tu vas pour moi. Donc j'ai plus d'Eve. Ah oui d'accord, super mec. Aïe, c'est qui me fait le jeu. Je suis mal barré parce que là il va falloir que je sprint en face d'une mitrailleuse. J'ai pas mon nom de panneau de sécurité. Ok. Donc je peux désactiver là. Là il y a aussi. Là il y en a aussi ici. Là il y en a partout, il est infernal ce niveau. Ah bah dis donc. Non. Je peux utiliser le lavabo, je vais récupérer la seringue. Merci. Ah. Ouais, il vaut mieux les récolter. Donc, là il y a une caméra qui nous voit. Là, il y a une mitrailleuse. Donc, il faut sprinter là-bas. À moins que... Bah non. On vient d'où, là? On vient de par là. Donc, il faut qu'on aille par là. En face de la mitrailleuse. Est-ce que je peux l'atteindre avec un arc électrique, ici? Certainement, mais... pas facile la vie dans Rapture. Bon, au moins les chasses d'eau fonctionnent encore. Donc là, ça va être compliqué. Merde. Ah, j'étais à deux doigts là. À deux doigts. C'est jamais bon, parce que bon, du coup, on l'a pas, forcément. Donc là, on va y aller de façon un peu plus maligne. Là. Ok. Pirater, hop, on n'a pas le temps de niaiser, on va l'acheter. Et d'où il m'a repéré? Bien. Là, il y en a beaucoup quand même des magies, non? Tout piraté, sinon caca. Ouais. Bah là, j'ai piraté la caméra. J'ai piraté une seule caméra. Donc là c'est bon. Y a rien à looter ici, c'est bon. Alors on arrive dans la capitainerie, c'est là où il y a toutes les machines. Donc là. Hop. Ah merde, c'était déjà mon allié, je suis con. L'autre elle est pétée. Donc là, il en reste une, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. On va faire le tour. Ah, j'ai plus d'Eve. J'ai plus d'Eve, j'ai plus de santé. Bon, là, les gars, ça devient un petit peu compliqué, là. En plus, c'est un drone. C'est un drone en plastique qui m'achève. Donc on va aller à l'essentiel. Et ça. Voilà. Ensuite.
On peut le péter. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas bien compris. J'avais piraté celle qui était en face et d'un seul coup elle était plus avec moi. Ça me renvoie aussi loin là. Ah, parce que je suis passé par une Vita Chamber. Donc on reprend. Et non, on est Ketson, je suis même pas en hard. Mais effectivement, cette, la partie dans la capitainerie là, avec tous les drones et les caméras de surveillance, j'ai plus vraiment de quoi les pirater. J'ai plus vraiment de santé. J'ai plus vraiment de munitions. Alors, en revanche, avec le pistolet, je crois que j'ai des munitions perforantes. Ça, c'est plutôt bien pour les machines. Merde. Qui c'est qui me tire dessus là? Ah, chiotte. Le niveau de pro gaming est total. Anne Ketson, bravo. Mais il y a un mode comme ça où tu peux désactiver les Vita Chamber. On n'a plus d'argent. Si on a de l'argent. Ah, c'est pour acheter une trousse de soins. D'accord. Alors, un truc rigolo, c'est que le mec qui a fait les musiques. Bon, là, on n'entend pas des masses de musique. Y a pas des trucs à looter par là, parce que moi je suis vraiment à poil. Hein. L'artiste qui a fait les musiques, figurez-vous, il a fait les musiques de l'agence touristique. C'est la classe. Est-ce que tu le savais? Et pas que d'ailleurs, je crois. Et Magnum, ah bah ouais, bah comme quoi la chemise était tout à fait de circonstance. C'est un artiste qui s'appelle Gary Shiman, qui a œuvré dans le jeu, dans... Je crois qu'on est reparti bien en arrière, là. Ou c'est moi? Ouais, on est reparti bien en arrière. Ah bah non. C'est bon. Là, on me tire dessus. Ah oui, j'ai vu. Il n'y a rien à looter. Donc avant qu'elle s'allume, il faut l'électrocuter. Et après on passe, parce que de toute façon on s'en fout. Là. Là, on peut pirater pour 15$. Allez, vas-y. Le logo Casu Gaming. Ah ouais, non, mais je revendique mon statut de Casu Gamer. L'appareil photo de recherche ressemble à ceux que vous avez à la surface. D'après un article dans un magazine que j'avais emprunté, il peut aussi enregistrer des informations génétiques, analyser. Faire attention parce que là, en face. Ah bah j'ai plus d'Eve. Pas dans le coin. Il y a noté. Ça y est, noté ma vue. Attendez. Je suis en alarme là? Non, je n'entends pas. Ah. Merde. C'est l'enfer, hein. Ah. Mais non, pas le lavabo. Bon, là, je vais pouvoir en disable de moins une.
Il y a la caméra de surveillance. Alors ça, c'est chiant parce qu'en plus, ça envoie des drones. Je crois que là, le jeu, il m'a fait une fleur. Mais bon, toi, ça fait 15 fois que t'essayes de passer. Merde! Elle était vraiment pointée sur moi. Merci Oscar! Mais vous le connaissez pas cette partie-là du niveau, vous la connaissez pas encore. Donc, on a un petit peu d'Eve. On a un petit peu de santé. On est équipé mollement pour des machines. Ouais, on a des munitions perforantes avec le gun. Bon, on va tenter. Bon, celle-là nous en aura plus. Elle est où l'autre? L'autre, elle est sur le côté là. La deuxième, c'est bon. On a plus d'Eve. Ok, d'accord. Là, on n'a pas tout fouillé. On va garder le Merlot, c'est déjà ça de pris. Il n'y a rien. Merde. Oublier une, de toute évidence. Bon, j'ai plus de santé, j'ai plus d'Eve. Donc là, hop, on crouche. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis trop balèzes derrière, parce que là, je suis mort. À côté de cette Vital Chamber, donc c'est là qu'on va ressusciter la prochaine fois qu'on meurt, parce que de toute façon il n'y a pas de raison qu'on meure pas à nouveau. Là il n'y a plus rien, et ça c'est quoi? Une Genotech. Okay. Je crois que les autres on a bon, et donc là est-ce qu'on a toutes les plasmides qu'il nous faut? Donc on voulait la télékinésie, c'est ça? Incinération, là, là, là. Où est-ce qu'on peut les changer? Appuyez sur A pour voir votre génothèque et faire des modifs. Ah bah non, on a que 4. Mais non, attends. Ah, étape 3, remplacement. C'est moi où on avait la télékinésie. On avait la télékinésie, non? Oui. Je m'en rappelle plus. Bien, on changera rien du tout alors. C'est quoi ça? Ah oui, j'ai plus d'Eve, donc autant. Un truc à mêler, là, rien d'autre à looter, ok. Alors. Je le sais. Appareil photo. Donc là, classique, on prend des photos des ennemis et on gagne en capacité. Même si, bon, on va pas se le cacher, moi ça sert à rien. Essayez de prendre une photo du chrosome de l'autre côté de la vitre en gardant le sujet bien centré et assez près. Bon, vous avez l'appareil photo?
Achievement unlocked. Moi j'ai eu un B. Bon, en même temps à l'école c'était ma meilleure note. Donc le chromium plafonnier est vulnérable aux munitions antipersonnelles et à l'électricité. C'est bon à savoir. Je vous obéirai. Je ferai votre volonté. Pourquoi vous faites ça ? Comment est-ce qu'on s'équipe de l'appareil photo ? Ah bah voilà, d'accord. Ils pensaient pouvoir se cacher de sa lumière ici. Ils avaient tort. Bon, on n'a plus rien à faire ici. S'il y a des trucs à récupérer, trop de secours, je prends. Il n'y a pas d'Eve par hasard. Non. Ça, il ne nous ferait pas le plaisir de... Gâteau à la crème. Ben oui. Tout a explosé. Puis alors j'entends des ennemis, mais je sais pas où ils sont. Baliseur, nouveau plasmide, les caméras de sécurité vous harcèlent. Balisez simplement vos ennemis avec des insectes photoélectriques pour duper les caméras et les tourelles. Essayez la balise de sécurité dès aujourd'hui. Alors moi je veux bien, mais du coup on la place à la place de quoi? J'ai pas d'Eve en même temps, je pourrais pas utiliser mes plasmides. Mais bon, admettons. Salut, Frenkafanche. Merci, Mister Pablo. Gardien, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Donc, je vais le remplacer ici. Alors, les plasmides. Duper les systèmes de sécurité. Détournez les robots et les tourelles vers vos ennemis. Ah, si. On a de l'Eve. Donc là, si on la jette ça sur la caméra. Donc la caméra, c'est pas un robot ou un ennemi, c'est ça? Directement. Ah si. Pour 10$. Alors. Maintenant qu'on est là. Si on peut trouver un... Ah, pourquoi c'est fermé ça? L'autre ou pas? Ah si, le corps est là.
J'ai pas beaucoup d'Eve hein, quand même. Hein. Le stock d'Eve est un peu tendu. Bah ouais, je sais. Je vais prendre ma mitrailleuse. Là. Quand même, ça fait chier, quoi. Ah, merde. Un plafonnier. Il y a un truc qui me tire dessus, là, non? Non. Est-ce qu'on a besoin de quoi que ce soit? Si on pouvait avoir... Peut-être avoir un petit peu d'Eve. Bienvenue à la farandole des prix. Voilà. On va prendre le minimum, hein. En disant que on va peut-être pouvoir en looter. Rien. Il nous donne rien là. Et une banque de génome. Tout pratique ça. Un peu plus pro-gamer, mais j'en ai quand même pris plein la musette. Ça c'est quoi? La bière vieille rondelle. Belgium Soldier, où es-tu? Tu peux pas passer derrière? Ah si. Je me rappelle plus ce qu'il faut prendre en photo. Vous rappelez-vous ou pas? Petit coup de merlot. Allez, hop. Et ça enregistre 4$. Super, les gars. On va peut-être pas trop boire parce qu'après on voit plus rien. Ça, c'est tous les messages de d'Atlas et du docteur. À la consommation, il y a de l'alcool partout. Là, on est dans un bar, c'est normal. Alors, vous avez des photos pour le vieux Peach ou vous êtes là pour admirer le panorama? Pour exploser, non? Donc, là, il n'y avait rien dans les toilettes. Il n'y a rien dans la poubelle. On fout tout dans le jeu. Tel est le prix du péché. Tiens. Il est là. Donc, recharger c'est quoi? C'est A, c'est X. C'est très lent comme comme arme le fusil à pompe dans le Bioshock. Entre chaque tir, t'attends une plombe. Caisse de contrebande, y a rien dedans. Super les gars. Gamer mais humain avant tout. Là il y a un coffre. Comme à chaque fois. Oh, attendez parce qu'il y a là. Oh dis donc. Ça c'est cool, on en avait besoin.
Alors, on avait la dernière fois, on avait débloqué une compétence. Ah oui, il est moyennement difficile celui-là. On le pirate ou on l'achète? On essaie de le pirater quand même. On va pas faire les épiciers en permanence. Et il est slow. Ok. On y va. On y va. T'es mimi, Jean-Jean? Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des munitions, des chevrotines et une seringue. Ouais. C'est de la chevrotine ionique. Quelqu'un se rappelle ce que c'est que la chevrotine ionique? Parce que vraiment, je m'en rappelle plus du tout. On va se mettre en chevrotine classique pour l'instant. On a surtout récupéré de l'Ève, donc on peut se remettre en plasmie, en mode plasmie. Casse-pied ce organe de chromosome plafonnier. Vas-y. Faut le prendre en photo, c'est ça? Pénalité, sujet décédé. Merde! Fallait le prendre en photo vivant, les gars! Mais moi, j'étais pas au courant. Qui ce jeu? Bon, là plus personne me dit où aller, alors c'est ça. Là il y a des trucs à récupérer sur le. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben là je suis au-dessus du bar. J'aime pas qu'on ait cette petite musique genre stressante. Dans le doute, regarde par la fenêtre. Nous avons un crabe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis repéré lui. C'est moi qui l'ai repéré ou c'est un mini-bot? Aucune idée. Et j'entends que ça. Ah! Est-ce que c'est 0451? Eh, on va voir. Hein. Au pire, ça fera un deuxième clip. On accepte. Code incorrect! Alors en revanche le code il était pas dans le coffre. On pirate. Pirate. Il est slow. On peut l'acheter 58$, on va le pirater. Oh là là. Merde. Non! Bon bah voilà, je vais me prendre un coup de jus. Ça retire combien de santé quand on se prend un coup de jus comme ça? Ah bah tout! Ok d'accord, et j'ai plus de santé. Où est-ce que j'ai... mon petit... Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. D'accord, j'ai une machine pour me refaire la santé juste derrière. Il doit être là, il doit être là. Bonjour.
Santé au maximum. Ils auraient pu mettre du pink martini, effectivement, ça aurait pas dénoté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On pirate, on l'achète. Ok. Ça, c'est une maman qui pleurait la perte de sa fille, qui était devenue une petite sœur. Ça serait trop simple avec un coup de plasmide. Ah ben non. J'ai vu quelque chose bouger là-bas. Hop, petit coup de Mirlo. Bon. C'est pas mal la mitrailleuse, hein. Hop, petite clope. Je me rappelle plus comment est-ce qu'on... On utilise qu'on a... qu'on a looté, les gâteaux, les clopes et tout. Où est-ce qu'on va? Bon, du coup là, maintenant faut qu'on aille où? Pêcherie fontaine, nanana. Il faut qu'on revienne sur nos pas. Apparemment. C'est pas une arme de mêlée, ça. Je fais bolosser de l'autre côté. Bah voilà. Le casual gaming est encore frappé. J'espère que je suis pas trop... Ah non ! Attends, c'est où ça ? Je me rappelle plus où je suis. Ah non, c'est bon, c'est dans votre sens. Mais alors que les Allemands s'en remettaient au bon vouloir d'Hitler ou la Pièce Reich, les Américains... Donc ça, c'est le bar. Là, c'est notre ami qui est papy. Il est bon, hop. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui tire dessus? Ça c'est cassé. Ok. Vas-y Jean-Jean, laisse-moi passer. Donc la suite c'est par le haut là?
que là c'est de la, c'est de la combien. Ça, on l'a cleané tout à l'heure. On n'a plus de santé, on n'a plus d'Eve. Comme ça, tout va bien. On n'a pas checké de ce côté-là, si. Bah si, c'est là où on a ouvert le coffre. Donc... on va pouvoir tourner sur nos pas. Ça se fait si on passe par là. Hop. C'est quoi ça? La limite des chevrotines. Donc, ok, on revient sur nos pas. Par là, on n'y était... on n'est pas passé par là. Vas-y, Jean-Jean. C'est pas éclatant. Je l'entends et elle est au plafond quelque part. Je la vois pas. Bah non, sinon Jean-Jean il me tirerait dessus. Merde! Je suis mort. Faut me prévenir quand j'ai plus d'Eve, parce que moi j'essayais d'utiliser mes plasmides, ça ne marchait pas. Go 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 gadget au bras. Il est quelle heure? 25. Je suis sûr qu'on va pouvoir le terminer ce tableau. Classique. Ah merde, la photo. On gagne moins de points, mais on gagne quand même. Ça va me faire un C, non? Bof. Ouais, mais Atlas, tu peux pas me parler quand il y a des gens qui arrivent dans mon dos, quoi. Okay, super, un cadavre. Et donc, mon drone, il est parti, alors. Faut que je reparte par là. Elle me tirait pas dessus, alors je croyais que c'était une alliée. Et à un moment, elle a commencé à me tirer dessus. Alors voilà, du coup... bon, je récupère des munitions. J'ai plus de santé. J'ai plus de santé et je sais pas où était le dernier poste de santé disponible. Là, on peut acheter de la santé ou pas? Oui. Bienvenue à la farandole. Non. Si, trousse de soins. On va en prendre deux. C'est n'importe quoi. Vraiment, je roule sur la réserve, voilà les gars. J'ai plus d'Eve. Ma femme, Moira, elle est vraiment pas commode. Mais c'est un vrai trésor, et elle est tout pour moi. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est Dieu qui me punit de les avoir fait venir ici. Elle est parfaite. Moi qui pensais que nous aurions une vie meilleure. J'ai plus d'Eve. Quel idiot. Poste de soin, on s'en fout. Non. Merde, il y a un Big Daddy. Oh, on est tellement dans la mouise. J'ai de la munition perforante. J'ai une trousse de soins. Alors ça, si c'est pas un truc de... Si c'est pas un truc de level designer pour dire bon, les mecs qui se mettent en facile, faut les aider un petit peu sinon ils sont morts. Je m'y connais pas.
Parce que du coup, il y a des coffrets avec des balles, des distributeurs de munitions. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un radio cassette, ça va pas nous aider des masses. Moi, je vous invite, si vous y jouez, à écouter toutes les histoires, parce que c'est génial. Là, je le fais pas parce que sinon, ça va nous prendre. Déjà, je joue comme un pied, mais alors en plus, si on lit les histoires, on n'a pas fini. Enfin, je veux dire, on aura fini, ils auront déjà trouvé un vaccin pour le Covid. Donc, munitions perforantes, ça c'est déjà pas mal pour le Big Daddy. Et en plasmide, on peut s'équiper en incinération, c'est pas mal parce que c'est des dégâts qui durent. Ouais, Papy Poule, je suis assez d'accord avec toi. C'est dans ces moments-là qu'en fait. Ça chie dans la colle. Du coup, celui il envoie des. Ah, crotte, j'ai pas rechargé à temps. C'est assez lent les rechargements d'armes. Alors on va y aller direct maintenant. On a plus grand chose maintenant. Merde! Ah merde! J'avais pas vu. Sauve-toi, Denis! Voilà. Il est mort. Bon, donc on sait que il y a une machine. Je crois qu'on peut passer à côté si on rush un petit peu. Comme ça, on va gagner du temps. Merde, c'est pas du bon côté. C'est pas du bon côté. J'en profite pour faire des trucs par la caméra. Ok, là il y a la coquette qui nous tire dessus. Faut la désactiver ou pas? Ah, mais attendez, je suis con. On a des balises de sécurité. Munition perforante, 5 balles, super de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme? Ça a bien marché mon truc là. Avec son pistolet arrivait, il me tue alors que moi avec mes grenades frag, je le tue pas. Il y a pas de justice dans ce jeu, en plus j'ai plus de. On va y aller mollo. La caméra faut pas qu'elle me détecte parce qu'après je vais avoir des drones sur le dos. Bon, on va prendre de la munition classique. Et puis on va. Et merde, je suis ripper par la caméra. Alors. Ça marche pas cette plasmide là. Je sais pas qui m'a tué parce que ça partait de tous les côtés. Mais ça marche pas cette plasmide pour contrôler les tourelles là. C'est vraiment l'arnaque ce truc là. Donc on va prendre le truc électrique. Qu'est-ce que j'en ai ? Ok, d'accord. Merde. J'ai plus d'armes. Hop, ils étaient deux à me tirer dessus. Bon. Je vous annonce. J'ai plus aucune munition. J'ai plus d'Eve. Et. Si, j'ai encore le pompe avec 3 chevrotines ioniques. Donc là, faut pas que je me fasse repair pour pas déclencher les drones.
moitié mort déjà. Et si je vais là, je me ferai hyper par les caméras. Mais y a un coup d'éclair. Oui. J'ai plus d'armes. Il me reste le pistolet contre un Big Daddy, les gars. Alors là, ce jeu n'a aucune pitié, Belgian Soldier. Il y a bien un moment... Munition perforante. Ok, bon, c'est mieux que rien. Merde, c'est pas par là. C'est par là. La caméra. On détruit pas les caméras et les tourelles. Exact. Il faudrait que je détruise cette caméra direct. Voilà, pour être un peu tranquille. Et ensuite... je pirate celle-là aussi. Slow et facile. Je crois que le jeu, il s'est dit... lui, il galère bien. Un peu en stress, hein. Ça se voit pas comme ça, mais... ok. C'est bon ? C'est bon. Il me suffit d'attirer le Big Daddy par ici. Et ça, c'est mort, ça ? Réactivé. Donc là maintenant j'ai deux alliés avec moi. Merci Chino. Cricotte. Mort. Ah, c'est pas du jeu. Je vous rappelle que je suis en mode facile. Et celle-là, elle nous fait toujours schmout là. Celle-là, elle est toujours cassée. Quand même. Plus de munitions, plus de munitions, plus de munitions. On peut prendre une photo ? On peut prendre une photo. C'est pas passé loin, Robin de Tolence. Mais là, je crois que le jeu, il va devenir un petit peu sympa avec moi. En 2007, on faisait déjà du... j'ai plus du tout de munitions. Elle est où la petite fille, la petite sœur ? Parce que bon... c'est pas tout ça, mais...
Elle est où? Elle est là. Ah, mais c'est parce qu'il y avait... Il y avait deux Big Daddy, c'est pour ça que j'ai galéré à passer ce... Non, non, non. Non, 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 non. C'est pour ça que j'ai un peu... été limite mort et toi limite en vie. C'était un peu limite, limite. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Ouais, mais c'est pas pour autant que on me lâche la grappe. Hein. J'ai plus de munitions, j'ai plus d'Eve. Oh merde, il y a encore un Big Daddy. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Là, je peux pas l'attaquer, j'ai rien. Je suis à poil. C'est quoi ça là-bas? J'ai plus d'Eve. J'ai plus d'armes. C'est quoi ça? Je crois que c'était la mine de proximité que j'ai balancée tout à l'heure. Oui, oui, si on les attaque pas, si on les approche pas, c'est. Il reste. Donc là, vous voyez, là, j'ai plus rien, de rien, de rien. Donc là, on peut faire de l'urbex, si on veut. Des chips. Vous êtes blessé, trouvez un poste de soin. Ouais, mais je crois que j'ai plus d'argent. Oh, merde. Bon, d'accord. Il est où le prochain poste de soin? Il est... derrière moi. C'est ça? Il est pile derrière moi. Je l'ai vu très très près quand même, hein, sur la... te donne quand même le strict minimum pour que tu puisses vivoter. Je vous entends. Je sais pas où vous êtes, mais je vous entends. Regardez notre argent. Donc, là, il n'y a rien à looter par hasard. Un poisson. Elle. Donc là, on est au poissonnerie fontaine. Et on va retourner. C'est pas vers la capitainerie, ça? Non, on est dans la pêcherie. Et j'ai déjà goûté. Ah oui, c'est là que la porte était fermée tout à l'heure. Et là, donc... que vous aviez eu votre compte. Vous avez quelque chose pour moi et mon équipage, ou vous venez vous faire débiner? Je sais pas. Attendez une petite seconde. Je vais faire du café, sortir les couverts en argent. Je l'aime pas trop, lui. Hein. Tout ça. Merci, Zéro. Là-dedans, c'est très dangereux. Ouais, mais Naked-son, on n'a pas le choix. On est à poil. Enfin, surtout moi. Je vous emmène dans ma galère, parce que là, en l'occurrence... Soin, 16$. Ouais, mais ça me donne pas une... Mettez vos armes dans le pneumatique. Après, je vous laisse entrer. Ah oui, donc là, en fait, le truc, c'est que... Si c'est son prix, il va on rentre. Il faut qu'on envoie toutes nos armes. Donc là, on est vraiment, vraiment à poil. C'est quoi, ça? Ah, merde. Plasmide de feu. Je l'ai plus. Je l'ai viré, non? Ah non, c'est bon. Le pirate concentré est un des plasmides les plus populaires de Hacksmart, qui désamorce les circuits de surcharge des systèmes de sécurité. Si vous ne grillez pas de circuit, vous serez remboursé. Toujours un peu d'humour là-dedans. Qu'est-ce qui nous sert le plus? Super pirate, ça nous sert bien. Expert en sécurité, je m'en rappelle plus.
On le change pour pirate concentré. Ah bah regardez, dis donc, bim. La vie est bien faite. Changer les années. Non, je suis très content de ce que j'ai. On peut pas acheter. C'est pas ici où on achète les slots supplémentaires? Je m'en rappelle plus. Non, c'est pas ici. C'est dans les. Ça, c'est la génothèque, c'est dans les jardins de Dev, je crois qu'on. Je prends quand même ma clé à molette. Au cas où. C'est pour ça que tu me disais que c'était hardcore, c'est parce qu'il y a. Ah oui, là, c'est les fricots de la pêcherie. C'est, tout est en glace. Ah, crotte. On voit plus rien. Je parie que quand votre patron s'est échappé de l'enfer, on voit plus rien. Le diable qu'il revenait tout de suite, et le diable lui a répondu : bien sûr. Ah, chiotte. Je vous garde une place. Ryan a juré que Fontaine n'était plus que poussière. Et vous voilà en train de faire son sale boulot. Ce qui fait que Ryan. On voit rien, c'est horrible. Et en plus de. Ah non. Est-ce qu'on va acheter des trucs? On va acheter des munitions? On peut pas. Bon. Oh non. Mais non. Ah non! C'est un mec avec des cocktails Molotov. Ça a changé de Turok sur M64. Bon là c'est le bazar, je vais pas vous le cacher. C'est pas par ici, c'est par là. C'est ça, c'est dans ce sens là. Ah bah non, c'est dans ce sens là, je suis bête. Allez, on y va. C'est parti. Donc là-bas, il y a une machine. Ah, il y a une machine. Ah, je suis coincé. Ok. J'avais plus d'ev de dispo. Je perds mon oreille. Bon. Donc, j'ai battu Peach Wilkins, mais je suis mort en même temps. Non, c'est fier, non, c'est pas grave. Donc il doit rester quand même un ou deux schmutz. Oui. Vu qu'on se déplace, je vais éviter de. Ah, je voulais me retourner pour toper la tourelle, ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vu que j'ai plus d'armes. Donc, elle est là-bas, hein, la tourelle. Et là, il reste un ennemi, je crois. Hein. C'est ça? Ouais. J'ai plus de plasmide. Ok. J'ai plus de dev, pardon. Et j'ai plus d'armes, effectivement. Je m'en rappelle maintenant. Et là, j'ai une tourelle, mais. Oh merde. Donc là, j'ai normalement des drones qui vont apparaître pour me tuer.
mitraillette elle est en contre-haut, donc il faut que je passe vite, ou alors... Parce que là je peux pas aller à la banque génétique. Le passage vers la baie sous-marine secrète se situe dans les sous-sols des pêcheries portatrices. J'y suis. Ouais, mais j'y suis pas encore dans le réfrigérateur. Hein. Oh, y a mes armes qui sont là, mais j'ai pas de munitions. Non, vraiment, je m'en fous un peu. Ah si, j'ai des munitions, dis donc. Bon. Mais... Ah, c'est la mitrailleuse qui est là-haut qui me tire dessus. Ah oui. Bien. On vérifie quand même toujours dans les petits coins. Je pense que là... J'ai plus d'Eve. C'est quoi ça? Une mitrailleuse dans la glace. Donc, j'ai plus d'Eve, donc... Je peux pas aller beaucoup plus loin. Ah! C'est pas là qu'on trouve de l'Eve, on est d'accord. Dégâts pistolets, on s'en fout. Augmentation des dégâts mitrailleuses, réduction du retour de force mitrailleuse, cadence de tir fusil. Ah oui. Les dégâts. Amélioration des dégâts fusil. Cadence de tir, ça pose un problème quand même. Hein. On va prendre ça. Il n'y a pas un tout petit peu d'Eve, s'il vous plaît? Parce que là, j'en ai vraiment besoin pour faire fondre la glace. Et là, je vais me faire tirer dessus. C'est quand même vachement mal fait, la vie. Avec un fusil à pompe qui peut charger. Je vais me faire tirer dessus. Et là, il y a une caméra qui m'attend. J'ai pas d'Eve, donc tout ce que je peux faire, c'est la détruire. Elle est où cette caméra? Ils mettent pas une salle comme ça. Sans rien du tout. Il y a bien un truc à looter là-dedans. Oh non. Sur une dev. Incinération. Ok. Œil de lèvre. Bon, il nous reste 8 minutes. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire sauvegarder. Oui, c'est la version remaster qu'on a. Ah voilà, c'est ça. C'est ça hein, le passage secret là. De l'argent. D'autres que moi je suis pas contre l'argent. Mais
Mais bon, si j'avais pu utiliser mes plasmides pour dézinguer du méchant plutôt que pour trouver de l'argent, ça aurait été mieux. Donc là, normalement, il y a des gens qui m'attendent derrière, hein, c'est ça? Il y a toujours la caméra. Merde. Alors, ne pas pirater. Mais pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Eh, c'est la mitrailleuse qui est là-bas encore. Hein. Je peux la désactiver ou ça sert à rien? Bah, j'ai plus de plasmine. La réponse est dans la question. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mais normalement, je devais débloquer des portes avec mon plasmide feu. Et forcément, ça va pas fonctionner. Et là, j'ai plus de santé. Donc, je vais mourir. Notez que ça tombe plutôt pas mal, puisque... Ellen Ripley qui va jouer à Watch Dogs, qui n'est pas sorti encore, le nouveau Watch Dogs, on va se mettre comme ça, on va sauvegarder en même temps, on sauvegarde là, on est bon, vous êtes blessé, trouvez un poste de soin. No shit Sherlock, on va prendre celle-là, hop, écraser la sauvegarde, oui. Ellen Ripley joue à Watch Dogs dans 5 minutes de chez elle. Je sais pas si elle est prête, je sais même pas si elle est encore dans le chat. J'en profite parce qu'on m'a livré en avant-première pendant que j'étais en train de jouer le prochain canard PC avec Star Wars en couverture et forcément une pastille débile. Et ben non, il n'y a pas de pastille débile dans celui-là. Une fois n'est pas coutume. Et je crois que ça sort le 1er novembre. Et pendant que vous êtes chez votre marchand de journaux, n'oubliez pas leur série annuelle Jeu de plateau, fait par Cannes et ses acolytes. Pour les abonnés, celui-là, vous ne le recevez pas parce qu'il n'est pas compris dans votre abonnement. Donc vous devez braver les intempéries et la situation sanitaire pour aller dans votre maison de la presse ou chez votre kiosquier favori. Si j'avais Jules sous la main, il aurait mis la boucle d'attente. Mais je crois que je peux m'en sortir. Il y a trop de souris ici. Je l'entends arriver, parce qu'en fait il m'écoute. Il me surveille. Et pour mettre la boucle de fin. Oui, bien sûr. Mon petit Jules. C'est Jules, le gars qui a des chemises à fleurs aussi. Et donc derrière, c'était une des voitures de Mad Trax, qui est un jeu que j'ai fait avec une équipe fort sympathique. Mad Trax qui est toujours disponible sur Steam, pour un prix ridicule. Merci Lupus, merci Pascal, merci Chino, merci tout le monde d'avoir suivi ce deuxième épisode. Un peu pro-gamer au début,
Et puis après, casse du gamer à fond, hein, on est d'accord. Et puis on va, surtout, c'est cool parce qu'on va partir avec une sauvegarde où on est à poil la semaine prochaine. Donc il va falloir vraiment. Je vais reprendre la partie, je crois, pour voir comment est-ce que je peux m'en sortir. merci Héloïse, merci tout le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine, au moins. Sinon, entre temps, sur Among Us, je sais pas si on va faire une partie. Jules, tu peux y aller. Allez, les gars.